Pour sa première participation à Fine Art Paris, Applicat Prazan présentera une sélection de tableaux abstraits de la seconde école de Paris. De grands formats alterneront avec de plus petits et composeront un ensemble représentatif de l'art abstrait de l'après-guerre en Europe. Fondée en 1989 par Bernard Prazan, la galerie s'est consacrée exclusivement dès l'origine aux grands peintres ayant travaillé à Paris après la Seconde Guerre mondiale. Depuis 2004, Franck Prazan, fils de Bernard, dirige la galerie. Au fil des années, et depuis bientôt 30 ans, Applicat Prazan est devenue une galerie internationale d'art moderne, leader sur son marché. Elle possède deux espaces à Paris. Une galerie, rive gauche, 16 rue de Seine, au cœur du quartier de Saint-Germain-des-Prés, et un second espace, rive droite, au 14 avenue Matignon, à deux pas des Champs-Élysées. Elle participe également aux plus importantes foires internationales. Art Basel, à Bâle, Hong Kong, Miami, TEFAF à Maastricht et New York, Freeze Masters à Londres et la FIAC à Paris. Applicat Prazan est monospécialiste de l'école de Paris des années 50 et a concentré son expertise sur les artistes les plus significatifs de cette période. Sa quête d'excellence l'a conduit également à ne retenir que les œuvres qu'elle juge les plus importantes pour chacun de ses artistes. À Fine Art Paris, Applicat Prazan présentera notamment cette magnifique composition de Georges Mathieu intitulée Simone de Montigny, datant de 1958 et mesurant 87 sur 146 cm. Georges Mathieu, considéré comme le maître de l'abstraction lyrique, affirmait que dans les faits, chaque tableau était pour lui une bataille. Il s'engageait dans l'acte de peindre comme dans un combat. Et lorsqu'il en sortait, c'est après avoir triomphé de la toile blanche. Il disait aussi « Je suis le peintre de la vitesse ». La rapidité de l'action est la seule possibilité pour laisser passer ce qui vient du plus profond de l'être.